Ici, on prépare le CAP fleuriste, un diplôme en 2 ans avec 13 semaines de formation à la maison familiale et le reste en entreprise. Les conditions pour entrer en CAP fleuriste, il faut absolument trouver un maître d'apprentissage et sortir de 3e. Durant cette semaine de formation à la maison familiale, les apprentis réalisent 3 jours de matière professionnelle, avec notamment une journée consacrée à l'art floral avec l'apprentissage de tout type de composition, de bouquets, de travaux plus sophistiqués, avec également l'acquisition de savoir en vente, en dessin, en botanique avec le nom des plantes. La fin de la semaine est quant à elle consacrée aux matières générales. Au niveau de l'atelier floral, toutes les compositions sont conservées et les jeunes peuvent aussi repartir avec leur réalisation. Après le CAP fleuriste, il est possible d'être salarié d'une entreprise, mais également de continuer en brevet professionnel ou en titre pro, vente de végétaux à la maison familiale. Cet approfondissement se déroule en 1 an, en apprentissage, pour acquérir des compétences plus pointues en vente, en gestion, en comptabilité, mais également aussi en atelier floral.